comme vous l'avez dit, monsieur le maire, notre commune bénéficie d'un flux extraordinaire qui ne dépend ni de nous, ni de vous, mais il faut en tenir compte. Sa situation géographique, au cas où vous avez notre rôle, la proximité de Roissy, avec de grandes entreprises, une population jeune et dynamique et pleine d'avenir. L'arrivée du Grand Paris va encore attirer le public de notre ville et la valoriser. Le renouvellement urbain que nous avons initié va rendre à la ville la notoriété qu'elle mérite. Le plan de sauvegarde que nous avons également initié permettra à de nombreux Amérindiens de vivre dans des conditions décentes et sécures. Vous avez simplement continué et la commune a déjà lancée. Bien sûr, en ce qui concerne le logement, nous ne pouvons pas être d'accord avec votre analyse. Encore une fois, qui se voit, quand nous avons pris cette histoire en 1985, nous ne devons pas cacher la vie dans un tel état, il est urgent d'entrer dans la rénovation. C'est une rénovation qui est effectivement chère, et nous avons dit déjà à l'époque que nous ne commencerions à reconstruire que lorsque le patrimoine ancien serait complètement réhabilité et que les gens puissent vivre dans des conditions décentes. C'est ce que nous avons commencé à faire lorsque vous émergez avec la cité arc-en-ciel. Donc, de ce point de vue-là, bien évidemment, votre analyse est excessive. Elle n'est pas très débarrassée. Ce conseil municipal aurait pu être une occasion de nous montrer votre sens de la concertation et mettre en valeur vos concepts de démocratie participative. Mais c'est un mauvais départ. En effet, pour préparer ce conseil, nous n'avons été destinataires que d'un seul CD-ROM de parcours, un CD-ROM de compilation d'études, dont nous sommes d'ailleurs pour un certain nombre à l'origine. Je pense par exemple à une étude touchant le quartier de Mitry et à une autre traitant du renouvellement des zones industrielles. Mais entre toutes les études fournies, aucun fil conducteur, aucune vision d'ensemble, surtout. Bref, il s'agit là d'une juxtaposition de documents uniquement là pour faire impression et justifier la concertation. Comment, dans ces conditions, pouvoir analyser en quelques jours près de 3000 pages urbaines sans avoir, même dans le même temps, une synthèse globale de la vie du maire et de la municipalité sur ses études et sur leur vision de la vie dans le futur. C'est peut-être aussi le moment de faire le bilan de notre politique en matière d'urbanisme ou de votre politique de développement et de vie. Par exemple, quid du nombre d'emplois onésiens créés par le vendeur de meubles installés chez Renteros à grand renfort de publicité, mais dont l'activité semble les plus discrètes, c'est à peu près, je pense, que le seul succès industriel que vous avez pu obtenir. Quid aujourd'hui du bilan du développeur du commerce avec le cadre noir et la poissonnerie des populaires de France, par exemple. Allez-vous poursuivre une politique de préemption du commerce malgré son coût? À quelle date prévoyez-vous la révision du PLU? Ou alors, pensez-vous continuer à le modifier à chaque occasion? Avez-vous des informations confirmant une mise en place de l'un des deux pour les quartiers restants à la rénovée? Et comment voyez-vous la sauvegarde des quartiers pavillonnés? Pouvez-vous nous préciser vos attentes avec la ville du Grand Paris? Et ne regrettez-vous pas l'implantation d'une zone commerciale à faible valeur ajoutée à proximité de la future gare? Ne pensez-vous pas qu'il serait utile de programmer une nouvelle étude pour connaître les raisons du départ de nombreux Odésiens et celles de ceux qui arrivent chez nous? Enfin, quid de l'intercommunalité? La réponse à ces questions nous permettra d'alimenter les rencontres que vous avez programmées à partir de septembre et bien sûr de remplir des cahiers d'acteurs que vous avez proposés.